Salut à toutes et salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Close Combat Meuse 1940. Et on est proche du début de la fin, comme dirait Churchill. Ou de la fin du début, je sais plus. Enfin bref. On est proche de quelque chose. On a presque la moitié de la map. Presque, bon, on va dire plus d'un tiers, mais bon, voilà. C'est pas tellement ça, en fait, on a beaucoup de trous derrière, hein, mais c'est pas grave, ça va être complété, voilà, au prochain tour, il n'y a pas de problème, normalement. Alors, voyons voir ce que nous avons là, ok. Donc, est-ce que... Non, ce canon n'a rien fait. Est-ce que celui-ci a fait quelque chose? Oui, il a fait quelque chose. Est-ce que je supprime le pack ou je ne le supprime pas? Bonne question. Ou alors je prends une autre 221. Ah, je peux pas, j'ai déjà usé ma 221, génial. Ah, d'accord. J'ai plus de véhicules en fait. MG. Ok, bah ça s'annonce plutôt délicat avec la 32e infanterie division, dis donc. Bah quitte à avoir un gros canon, autant en avoir un très très gros canon. Voilà. J'ai beaucoup de... Pas d'artillerie, mais de... Enfin, oui, d'artillerie. Et de... D'unité de soutien, quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en face? Chef de section expérimenté. Avec un moral assez bon. Des fusillés A. Ok. Il n'y a pas de corps franc, donc ça, c'est déjà pas mal. Par contre, il y a des grenadiers voltigeurs. Ça, je déteste. Canon de 75, bon ça, on s'en fout un peu du canon de 75 maintenant, on s'en fout un peu des canons de 75 et de 25, parce que là, on n'a plus qu'une seule 221. Et voilà, ça m'étonnerait qu'elle se fasse choper, pardon. Alors, voyons voir, bon bah déjà on a traversé, c'est déjà pas mal, il nous reste combien? 3, 4, donc en fait, si on capture là les 3 points ici, et que le moral s'effondre, normalement on devrait capturer les trois derniers de points. C'est jouable, je pense. Alors, j'ai fait... Voilà ça. Surtout qu'en plus on a beaucoup de soutien. Je crois qu'on a un mortier et une artillerie, un truc comme ça, en soutien. Donc, il n'y a pas de problème. Tiens, en parlant d'artillerie, alors... mes mortiers, on va les foutre ici. Il est où l'autre? Mortier. T'es là. Voilà, viens là. Ensuite, on va placer un des canons ici. Et l'autre, on va le placer ici. On va placer de l'infanterie là. Et Pierrot, on va te placer là. Ou alors non, on va carrément te placer là. Voilà. Avec soutien ici, plus un petit soutien. Non, on va pas mettre un Schutzen, on va te mettre un état-major, Pierrot, comme ça tu seras beaucoup, beaucoup plus efficace. Ici, une Leicht MG. Un état-major, une 221 qu'on va mettre là. Lui, on va le mettre là. Alors, je crois que il va falloir... je pensais... Ouais, non, en fait... ouais. J'ai pas vraiment énormément d'infanterie. Hop. Alors, Pierrot, tu vas défendre ici. L'état-major va te soutenir ici. Hop. La Leicht MG. Je la mettrai bien dans le bâtiment. Alors là. Ah, elle peut pas.
Attendez, qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Attendez, on va les mettre là, voilà. Et on va leur demander d'aller là. Tandis que vous allez aller là. Et vous allez suivre derrière. Alors, ça c'est les mortiers. Pourquoi est-ce que vous collez au mur? Voilà. Alors, est-ce que vous êtes capable de faire feu par là? Ouais, il y a sûrement moyen. Attends, tu vas voir qu'il va pas y avoir moyen parce qu'ils vont me faire chier. À cause de trois arbres, tu vois. Du coup, ce serait peut-être plus pratique de le mettre en face. Ici, peut-être. Carrément pas. Carrément pas. Ou alors ici. D'accord, il se fait bloquer par 2 cm de barrière. Bon, on verra bien ce que ça donne. Du coup, toi, tu vas te mettre là. Bâtiment à 3 étages, ce sera beaucoup plus efficace. J'en ai oublié un. Oui, toi. Hop, tu vas défendre. Ouais, bah non, tu vas prendre la place de ton collègue. Hop. Voilà, on verra bien si t'arrives à faire un truc pas mal. Ensuite, ici. Hop, on va te dire d'aller là. Toi. Voilà, tu vas protéger. Et le dernier groupe d'état-major. Qu'est-ce qu'il va faire le groupe d'état-major? Bah, il va défendre là pour l'instant. Hop. C'est parti. Déjà, ouais. Allez, vas-y. Pop juste à côté de mon artillerie, tiens. C'est pas chiant. Ils ont... Wow! C'est de la triche là. C'était beau. C'est de la triche, mais c'est beau. Alors, ah, la Light MG a eu un mort par qui? Bonne question. Ok. Ouh, des fusillés. Ah. Attendez, ils se sont rendus ou non? Ils se sont pas rendus. C'est pas eux qui se sont rendus. Allez-y, avancez les mecs. Attendez, c'est un peu le bordel. Je vois pas qui est où. Ok, donc là il y a une section d'infanterie là. Ces Schützen vont move fast ici. L'état-major va avancer. On va les laisser là. D'accord, ils veulent pas se rendre, hein. Ok, putain, ça massacre, ça massacre, ça massacre. Si je sais pas s'il fait un truc, mais ailleurs, ça massacre. Ok, donc déjà on a un des points. L'autre est sur le point d'être à nous. Et donc si on capture la mairie et que le moral français s'effondre, normalement on a tout. Normalement. J'espère en tout cas. Ok. Là c'est bon. L'état-major il va venir ici parce que je sens... Attendez, non, non, plutôt ici. Venez dans cette maison-là plutôt. Putain, mais vous allez y arriver là? Allez-y quoi!
Hop. Les mortiers. Attendez. Qui ça? Morale, barrage. Ok, donc on a l'artillerie et les trucs. C'est bien. Est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser quelque part d'intelligent? Oh, c'est pas sûr et certain. On va peut-être attendre qu'ils se regroupent. Surtout qu'en plus on les voit pas à cause de la forêt. C'est bon, là, normalement, c'est plié. Donc on va se mettre là. Oula, 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 oula. Qui nous tire dessus, là? On va pas l'utiliser, hein. Il y a sûrement moyen de l'utiliser plus intelligemment. Allez, on va capturer la mairie. Ici, défense. Allez, on va utiliser ça ici. Le moral français en est où? Presque, presque. Et on a la mairie, c'est bon ça. Oula, on a fait péter le train. Ça, ce fut une action de mortier efficace. Alors, génial. Il demande un cessez-le-feu. Alors, on va progresser par petit bond. Il me faudrait un état-major pour remonter le moral de tout le monde. Ok, on va avancer ici, si on a encore un état-major. Ok, ça marche. Ça marche même plutôt bien, je dois dire ça. Même trop bien, ça sent le coup fourré là. Faudrait qu'on capture peut-être la maison forte. Alors, vous allez avancer rapidement. Vous allez ici. Piao qui attend même pas tout le monde en fait. Il s'en fout lui, c'est un fou. Il va tout seul lui. Alors ils sont planqués dans le wagon quoi, c'est possible. Du coup, hop, on va avancer. Ici, ils sont dans quoi? Ils sont dans la forêt ou... Non, ils sont dans le bâtiment en fait. Pas dans la forêt, ils sont dans le bâtiment. Ah d'accord, il y a du monde ici. Hop, prochaine étape, on y va. Pierrot, c'est bon, il s'est redéployé. Mais il va se redéployer peut-être dans la maison, ce sera plus efficace. Allez, on défend les mecs. Voilà. Vous voyez, dès qu'on a traversé la rivière, ça y est, là, ça roule tout seul. On en a chié pour traverser cette punaise de rivière, mais alors maintenant c'est quasiment trop facile. J'ai rien à dire tellement c'est facile. Alors ici on va aller là, on va les flanquer. Ceux-là ils vont là-bas, c'est bon, on va bientôt capturer le point. On n'a toujours pas vu le canon de 75. Donc on va amener notre 221, hein. Et on va essayer de nettoyer un peu les Français à coup de 221. J'espère que c'est pas dans l'axe ici que le canon il est, parce que... Mais connaissant les Français, ils l'ont sûrement mis juste à côté d'un bâtiment, tu sais. Bien... Oula! Mais voilà, qu'est-ce que je disais. Attendez, venez là, venez là, venez là, soutenez. Ah non, c'est un obusier de 105 qu'ils ont mis là. Apparemment, il est trop près pour que l'obusier puisse tirer. Ah ouais, d'accord, non, j'ai quand même eu pas mal de morts. Merde, je peux pas partir d'ici. Est-ce qu'on les met au cac? On les met au cac? Non, c'est un état-major, ça. Non, c'est des shoots, tout ça.
Ouah! Non, bon bah finalement il se... Ouais. Allez-y, allez-y, vous êtes de flanc là. Ouh, ça fait mal ça. Allez-y, bordel. Bon, attends. Venez par ici, vous. Ouh, c'est bon ça, c'est bon ça, c'est bon! Voilà, on a capturé 3 points supplémentaires encore. Génial. Bon, avec le canon 105, c'est... Voilà, c'est les trucs à la con, c'est un truc que tu mets pas là normalement. Tu mets pas là. Tu le mets là où tu vas avoir une ligne de vue. Ou alors, c'est, enfin, tu le mets là, mais si t'aurais pu tirer par-dessus les bâtiments, mais là tu pouvais pas, à cause du mode. Enfin bref, on a fait 28 morts, on a fait 16 blessés graves et 8 prisonniers, dont 2 de l'état-major. Impeccable. Et on a capturé le canon de 105, si c'est pas beau. On a eu 8 morts, 8 morts, oui, bien sûr, 9 morts et un blessé grave. Bon, les 9 morts, ça c'était surtout à la fin. Au début, on n'a pas vraiment eu de mort. Alors, qui a fait quoi? Ouais, un Schutzen 5, ouais. Ouais, eux, ils ont pas eu de bol. Ouais. Bon, ceux-là ont été un peu plus efficaces. Pierrot a été efficace. Oui, 9 morts, il a été efficace. 221 n'a pas eu le temps d'agir. Eux a fait 2 morts. 2, 3, 4, 5 morts pour l'autre. Et un mort. Bon, ça reste... ouais. Une moyenne, quoi. Alors, un chef de section, un fusillat, oui. Très bien, très bien. Attendez. Non, c'est bon, 2 morts. C'est pas si grave que ça, finalement. Ok. On les a pas croisés. Ok. On n'a pas connu. L'obusier de 105 s'est entièrement rendu avant de faire... Enfin, après avoir fait 4 morts, quand même. I hate you, obusier. Enfin bon, j'étais au cac, là, quasiment, donc bon... Mais au moins c'est un truc qui reviendra pas au prochain tour. Mais normalement je crois qu'on les a je crois qu'on les a battus parce que devant on est devant normalement. Ah ils se sont peut-être repliés sur où peut-être. Ah ça on peut pas le voir. Ou alors ils ont été totalement anéantis, je sais pas. En tout cas, il n'en reste pas moins que la 32e infanterie division a fait son taf, elle a libéré Dinan. Et donc libérer les lignes de ravitaillement pour les unités qui sont en avant, par exemple pour la 5e Panzer qui n'a plus de ammo, plus de full, what the fuck? Elle n'était pas à ce niveau-là la dernière fois. Bon bah c'est pas grave de toute façon, comme on a libéré Dinan, au prochain tour elle pourra, pardon, se restaurer et normalement redevenir full. En tout cas, je l'espère. Alors, prochaine bataille, ce sera... Non, ce ne sera pas la sixième, ce sera la septième Panzer avec Yann, VDP, Dark, etc. Oui, et donc ce sera sur quoi? Non, je veux voir la map. Ah oui. La map avec un seul punaise de fini point. Bah, je crois que je vais la tourner tout de suite, celle-là, parce que j'ai pas besoin de volontaires pour celle-ci. Donc je vais la tourner tout de suite, je vais renommer les unités hein, après. Et donc, je vais vous remettre dans vos unités, surtout, pour faire la bataille. Et comme ça, on pourra la faire et passer directement à la prochaine, la bataille de JV. Ah oui, oh, bon. Ouais, c'est des batailles tranquilles finalement ce tour. Il n'y a que celle-ci qui risque d'être un tout petit peu plus chaude parce qu'ils ont des chars, mais sinon le reste, ça risque d'être tranquille. Ouais, je pense. Je pense. En plus, ce qui est bien, c'est que là, on a utilisé qu'un seul truc de mortier. On n'a même pas utilisé l'artillerie. Là, par contre, on n'a pas de soutien. Bon, ici, on en a. Mais... On verra bien, on verra bien. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de disliker, si vous voulez. Mais si vous dislikez, commentez pour dire pourquoi. N'oubliez pas non plus de postuler parce que j'ai toujours besoin de volontaires. Vous voyez, il y a plein de places pour vous. Alors vous pouvez toujours postuler, il n'y a pas de problème. C'est toujours un plaisir de me battre à vos côtés et moi je vous dis salut à tous!